Salut, je suis Paul Carniello, anglophone francophile du Montréal. Puis je joue le grand spectacle d'ouverture avec Marco Cagliari, c'est le 24 juillet. Puis c'est le spectacle multiculturel. Ça va être vraiment un mélange des choses, c'est très éclectique. La musique de Marco puis Thomas puis moi, ça ressemble pas, mais en même temps, il y a un lien entre tous les côtés musicaux. On a une sensibilité très proche, puis tout le monde a un côté engagé aussi. Donc, c'est certain que tu vas écouter les paroles qui t'engagent. Pour moi, c'est un moment très spécial pour moi parce que, premièrement, je suis anglophone, donc c'est vraiment... Ça me démontre que les deux solitudes commencent à... Ben, j'ai dit ça quelques fois, mais les deux solitudes, je crois, n'existent plus. Et c'est vraiment ça que je suis là pour être. Je trouve ça intéressant. J'ai déjà fait les Franco une année. Pour moi, ça montrait que le lien est en train d'être écrit. Je suis très heureux de chanter en français. Je suis très heureux que je vois qu'il y a des résultats positifs et que c'est pas énormément difficile. Honnêtement, le spectacle, le meilleur spectacle que j'ai vu, je l'ai vu Xavier une fois, puis j'étais là dans l'audience et je connais Xavier depuis longtemps. Mais je l'ai vu en spectacle et j'ai réalisé qu'il est vraiment un rockstar. Et c'est drôle parce que tu peux connaître quelqu'un personnellement, mais quand tu vois sur la scène, c'est quelque chose de différent. Et Xavier est un des gars comme ça, quand tu vois sur la scène, il a un pouvoir spécial. Bon anniversaire, les Franco, 20e.